Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour le premier épisode de Cola. Nous y voilà. Bon. J'avais pas forcément hâte et en même temps j'avais hâte. Je crains un peu la difficulté de la carte, mais c'est vrai que ça change un peu d'air quand même. Je n'ai pas encore le véhicule, alors on va aller le chercher. Vous avez sûrement vu ce que je vais prendre. Et tout au fond, le yard, voilà. Hop, on va se le custom comme il faut. Ah, j'ai tout disponible? D'accord. J'ai peut-être trouvé des moteurs, on va pas mettre le plus gros, je me trompe de bouton, c'est plus expédition. Snowrunner, hop, suspension, il n'y en a pas, les pneus on va mettre, on a des choix différents, mais je vais partir sur les... Je vais pas mettre des pneus chaînes. Parce que le problème c'est que dans la neige c'est plutôt des pneus boue qu'il faut. Alors là il y a beaucoup de glace, on verra comment ça se passe. Mais je partirais bien comme ça. Spot, ici. J'ai jamais été trop défini sur le pare-choc qu'on peut lui mettre. Lui, j'ai jamais trop aimé. Celui-là, on dirait ça ressemble à un Apache. Ça, c'est ce qu'il y a sur les bourrons. Ça, on dirait un barbelé. Je sais pas. Ouais, je crois qu'on va rien mettre parce que... Klaxon, hop, et ben voilà. Ben voilà, on est parti avec ça. On est parti avec ça, on va se mettre. Bah oui, la journée, c'est vrai que je me suis pas mis le. Je me suis pas mis le choix de mettre tout le temps la journée. À 6h, ça donne quoi? Encore un peu tard. Hein. On va s'ouvrir Cola sur Mapreneur. Et on va commencer par le bas. Et ben c'est parti. Alors, je voulais changer l'horaire. Voilà. Donc on va tester un petit mode. Ah bah on va déjà commencer par prendre une mission, est-ce que je vois. Il y a un vendeur de remorques dans le coin. Ah oui, ah il est pas ici, d'accord. Bon on va les prendre, de toute façon on les lira un petit à petit comme d'habitude. D'accord, il n'y a pas de vendeur de remorques au garage. Ok, je ne savais point. Bah maintenant je le sais. Alors il y a une tour de guet visiblement qui serait... pas très loin d'ici. Ouais, elle est beaucoup plus au sud. On va aller chercher une remorque de toute façon et puis on va aller explorer tout ça. Je vais d'abord faire tout le petit village, je pense. On va aller là-dedans, visiter un petit peu. Je crois qu'on emmène du bois là-dedans. Il me semble bien. D'abord, je pars sur quoi là? Ah, d'accord, je suis ici. Ok, donc la tour de guet, elle est... un peu plus en bas, mais faut y accéder par le bout de la route par là. Ou alors il y a une petite route apparemment peut-être au fond du village, on verra. On ira peut-être faire cette petite tour de guet et puis on reviendra au garage. Alors, les missions, il y en a quelques-unes ici. Il y en a 1, 2, 3, 4 peut-être. Où il y a plusieurs endroits. Panorama d'usine, ok. C'est bizarre de retourner dans la neige, hein. Vraiment très bizarre. Y a rien par là. Si, il y en a une là. Hop. Alors, on va peut-être virer. C'est vrai que j'ai oublié ce genre de choses. Hop. 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 On a déjà un joli panorama depuis ici. On a déjà un joli petit panorama. Ouais. On voit pas encore trop de bateaux là-bas au fond ou autre. On sait jamais. Hop, au moins on en a une petite s'il faut déjà. Alors, on a une mission qui doit être plus à droite normalement. Ouais, je crois qu'il faut livrer du bois là-dedans. La petite église qu'on va sûrement retrouver à Amur. Je vois pas de mission dans le coin. Bizarre ça. Alors peut-être qu'il y a des missions qui se débloquent. Hein. Où est-ce qu'elles sont? Ah, il y en a deux par là, ouais, d'accord. Bon, bah visiblement, il y a une route qui mène à la tour de guet, donc on va y aller. On va aller faire la tour de guet sans la remorque et on la prendra après la remorque. Voilà, il y a une mission ici. Excusez-moi, j'ai pas mis la WD, je m'en étais même pas rendu compte. Ça fait très bizarre de retourner sur Snow aussi. Hein. Vraiment. Alors au moins je retourne sur Snow avec de la neige, ça c'est sympa.
Mais en ce moment, je suis à fond sur XP à faire des vidéos de toutes sortes. À part pour Snow, je vous ai fait la vidéo C'est quoi, histoire de détailler le jeu dans une vidéo un peu plus courte. Je trouvais que c'était important de le faire. C'était un petit truc qui manquait sur la chaîne, la première vidéo était vraiment vieille. Pas... Elle était bien détaillée et en même temps trop longue. Trop détaillée, trop longue, un peu maladroite, c'était mes débuts. Hein. Ça veut pas dire que ce que je fais aujourd'hui est beaucoup mieux, mais un petit peu plus maîtrisé et un peu plus travaillé en faisant pas mal de montage. Avec des petits extraits, des trucs de partout. La Covd. Alors c'est con, c'est qu'on verra peut-être pas trop les aurores boréales si je joue que de nuit. Que de jour, pardon. Je vais y arriver puisque justement c'est la nuit. La tour de guet est par là. Eh ben ça patine déjà pas mal dans la neige. Ça a pas l'air très profond. Ah, c'est même pas ça la tour de guet? Elle est où? Elle est où la tour? Ah si, c'est ça la tour! C'est pas les mêmes touches qu'XP, c'est compliqué. Bon, on va peut-être passer par là. Hein. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'avais fait en Ford F750, non? Et je crois que je l'avais retourné ici. Il me semble, ça me dit quelque chose. Ou vraiment un passage qui y ressemble. Bah non, le Ford F750, c'est ici qu'on le débloque, donc non. Non, c'était pas ça. C'était pas ça puisque c'est sur cette carte qu'on le débloque. Donc je confonds avec Amur, peut-être. Ah, ça s'est fait. Nouvelle mission découverte? Quelle nouvelle mission découverte? Qu'est-ce que j'ai pas? Sur de la glace, je l'ai. Panorama de l'usine, je l'ai. Calme plat, je l'ai. Alors c'est arrêt au stand que je n'ai pas été faire. Et puis le vendeur de remorque qui est là-bas. Antiquité intacte. Donc j'en ai trois là. Il me manquait celle là-haut. Ok. Pop, 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 on va peut-être... Ah, il y a mesure temporaire là-bas. Oh, c'est loin, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être aller chercher une remorque. Où est-ce qu'on pourrait aller? Sinon, il faudrait que je fasse peut-être le reste et puis j'irai chercher une remorque pour la suite. Hein. Donc, il faudrait que je remonte là. Eh oui, expédition sort de ce corps. Par là. Il y a plein de zones là que je ne me souviens plus du tout. Et ça m'emmerde sans remorque parce que il n'y a pas un hélico là-dedans. S'il y a un bel hélico là en photo, ça pourrait être chouette. Mais j'ai pas la remorque. J'ai pas ma remorque. Sinon, il faudrait que je revienne peut-être par là. Mais c'est moins dit que je vais y passer. Non, on va y aller. On va y aller. On va aller voir l'hélico. On va prendre une remorque. Tant pis, on prendra une photo avec la remorque ailleurs. On va aller voir le tutucoptère. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas. Ça va être la découverte. Hein. Alors je vois que sur la glace je l'ai déjà. Potentiellement par là, ça se trouve en plus la mission elle est ailleurs, beaucoup plus facile d'accès. C'est pas grave, on va partir comme ça, allez hop. C'est parti, je pense que j'ai pas mal d'essence sur moi, ça devrait y aller. Ça fait bizarre de voir les bidons verts au-dessus du toit. Hein. Je joue tellement à XP avec les bidons rouges et gris pour la réparation. Alors ça c'est un peu délicat pour Snow de se mettre autant en pente. Le gars a vraiment une conduite différente dans XP, une sensation différente. Il est plus lourd, il est collé au sol, c'est plus rapide. Bon là on est dans la neige chez Norman. La route, ça doit être ça. Hein. Ça fait vraiment bizarre de réexplorer Cola. Hein. C'est pas une des cartes que j'ai fait plus d'une fois, je crois. Je crois que je l'ai jamais refait celle-là. Peut-être un ou deux bouts très vite fait. J'y suis revenu quand il y a eu les missions de bois à la phase 3. Wisconsin. En dehors de ça. Je crois pas que j'y sois retourné autrement. Donc ça fait vraiment très bizarre. J'ai un peu l'impression d'être sur une carte modée, un truc
que je connais pas du jeu. C'est très chelou. Alors faut que j'aille à gauche, hein. Ouais. On va aller voir l'hélicoptère. Quoi comme pneu que j'ai, c'est pas ceux que j'ai sur moi. C'est les autres. Ah, ça passe. Et là, normalement, on arrive au cratère de l'hélicoptère. Affirmatif. Je sais pas s'il y a une photo intéressante à faire, mais il est chouette. Bon, on l'a revu un paquet de fois, cet hélico, dans d'autres saisons. Waouh, sans déconner! Et en plus, le moteur. D'accord. Ouais, il est pas dans le bon angle pour faire une bonne photo, tant pis. Doucement. Il a pris un nion. Ah oui. Avant, gauche. Alors, sur la glace, comment il va se comporter? Avec ses pneus pas terribles. Alors, ça enregistre bien, ça a l'air nickel. Ah, c'est de la glace qui casse ici, apparemment. Et puis après, je vais avoir du boulot. Va falloir que je regarde toutes les missions, à quoi elles correspondent, qu'est-ce que c'est comme type de transport, que je mette à jour mon fichier, que j'organise quel véhicule je vais prendre, dans quelle heure je vais faire les missions, tout ça. Wow! Oh là là! Ah, les rochers, c'est pas les mêmes qu'XP, hein. Là, c'est peut-être verglacé, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais... C'est vraiment bizarre d'avoir les deux jeux séparés. Ils ont pas du tout le même objectif, mais ça fait bizarre de les avoir en même temps, on les compare forcément. Il y a du bon chez les deux, il y a du mauvais chez les deux. Il y a aussi un objectif qui n'est pas du tout le même. Je suis en train de vous préparer une nouvelle vidéo sur c'est quoi pour Expédition. Pour vraiment expliquer ce que c'est. Mais c'est pas... Ça va pas être évident. J'hésite à donner un peu mon avis dedans. D'une certaine manière, parce que c'est assez important. Je voudrais bien que Expédition, en fait, les gens le détestent pour ce qu'il est et pas pour les préjugés, pour des trucs comme ça. Ça m'emmerde un peu. Après, voilà, j'ai rien à y gagner, hein. Mais vraiment, XP, je l'aime beaucoup et il mérite tellement plus. Enfin, il mérite plus de travail aussi. Voilà, vache. Ouf. Alors là, j'aurais eu un petit sonar, ça aurait été sympa. Il mérite tellement plus de travail, Expédition, tellement plus de gens qui le testent. J'ai vu, j'ai fait un sondage, pas loin de 500 personnes. 60% même plus n'y ont pas joué. Malgré qu'il ait été gratuit un week-end sur Steam, il soit dans le Game Pass gratuitement, si on peut dire. Ça fait bizarre, il mérite mieux pour moi. Pour moi, il mérite mieux. Alors, faut que je remonte là-haut. Ouais. Ben, j'ai tendance à dire qu'on va passer par là, hein. Ouh, la branche à laquelle on trapasse à travers.
Entre celle où tu passes pas et celle où tu passes à travers, faut te décider, SnowRunner. Alors là, j'aime pas tellement, c'est que. Ouais, non, ça va. Bon, bah ça se passe pas trop mal pour l'instant. Enfin. On va essayer de pas se vautrer dans la glace. On est en train de faire le bas là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? J'aurais pas oublié une mission, moi, par hasard. Sur la glace, donc non, je vais chercher mesure temporaire. Après, je reviens, je remonte, j'aurai une mission. J'aurai une mission, c'est peut-être même la même. Poste de garde délabré. Ah, il y a une amélioration en bas. Ah merde. Ah merde. Il y a un petit bout de route là-bas. Eh merde, je me suis gouré de bouton. Il y a un petit bout de route par là, apparemment. Il y en aura une amélioration quelque part là-bas, faudra que je vois, ouais. Donc va falloir que je parte peut-être de ce côté-là avant de remonter sur la route. C'est en train de virer tout rose. J'aurais bien envie d'essayer de mettre un peu de nuit. Histoire de faire un peu de d'aurore boréale. Je sais pas ce que ça va donner pour vous par contre. Mesure temporaire, ça c'est fait. Ok. Vive les caméras pourries. Alors, on va voir un véhicule gratuit, je crois. Hein. On va voir l'Actaeon, il me semble. Il me semble que l'Actaeon, il n'y a pas de mission. Je suis pas sûr. Alors, par là, et j'ai dit, on va essayer de rejoindre le bas. Donc ça, normalement, je l'ai déjà, hein, c'est sur de la glace. Donc la petite donne, on l'a déjà. Ça roule fort là-dedans. Ouais, je me disais bien que ça allait pas durer. Là, je suis sur une petite route. Il y aura visiblement, ouais, un truc de glace. Là, je sais pas trop jusqu'où je vais aller là. Tout est très éparpillé. Et vu que les routes sont relativement difficiles. Par contre, pour se retourner, c'est pas difficile. On va essayer de laisser tomber peut-être un petit peu la nuit. On verra, on laissera peut-être pas longtemps, je sais pas. Ça m'embête, je sais pas ce que vous voyez vous la nuit, j'ai pas trop essayé, mais au début, chez il y a longtemps, on voyait vraiment rien. Doucement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a les gros rochers. Et l'amélioration. Elle est apparemment par là. Oh, putain. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, ça m'énerve. Oh là là, les commandes identiques. Enfin, non, qui sont pas identiques. Ah, j'ai amélioré. Ok. Bon, bah, comme ça, on va voir tout de suite un petit peu la nuit. Ouais, c'est chouette. Alors, il n'y a peut-être pas d'aurore ici, si on les voit là-bas derrière. Pas trop si je vous les laisse ou pas. J'ai bien envie d'en faire un petit peu. Peut-être que sur le lac ça serait bien. Peut-être qu'ici pour l'instant pas trop. On va peut-être pas trop les voir. Ouais, c'est chouette. Alors. Normalement il y a un petit quelque chose par là-bas donc. Ouais, je vois le contour jaune. L'avantage de la nuit, c'est qu'on voit bien les contours.
Ah ouais, d'accord, tu n'avances plus si je mets la boîte auto. Bien. Je vais peut-être remettre la journée quand je serai sur la glace, je mettrai. Alors, nous avons la surélevée pour le Ford F750. Alors, on va remettre la journée, on mettra la nuit tout à l'heure. Donc on est là, j'ai peut-être loupé une mission. Oh là, j'ai loupé une mission. J'ai loupé une mission, numéro perdant. De toute façon, le reste n'est plus vraiment dans ce coin, donc j'irai bien. Ah, je te déteste. Je te déteste le jeu, je me gourde de boutons. Numéro perdant, apparemment, elle serait à côté du pylône. Attends. Mesure machin. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus haut. La tour de guet, elle est là. Et l'amélioration, le truc, elle est là. Ah ouais, d'accord. Je peux peut-être essayer de remonter par la glace là, mais ça va être risqué. C'est quand même plus joli, hein. On profite un peu plus du paysage quand même, je trouve. Les aurores boréales, c'est très chouette, mais on voit plus tellement les vastes étendues de neige. C'est quand même dommage. Bon, bah on remonte. On va finir ce petit carré là. Après, on partira par la route principale sur le carré de gauche. Et puis après, il faudra monter sur le haut de la carte. Hein. Ça sera déjà pas mal avancé tout ça. Je crois qu'il n'y a pas énormément de missions, de tâches sur cette carte au total. Bon, il y a quand même du boulot, hein, ce que je vois, mais. Ça casse ou ça casse pas? Ouf. Oh, les lignes sur les côtés. Que c'est pas beau. Donc là, je suis en train de remonter toute la petite côte glacée. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux routes. Alors, la tour de guet, elle est là-haut, je pense. Je la vois juste au-dessus de moi. Et la mission, elle est par là, probablement la petite maison. Et ensuite, faudra que j'aille au niveau de la tour de guet. C'est parti. Donc tout ce carré-là est fait. Je vais chercher ma remorque, je finis le côté station-service, tout ça. J'irai peut-être réparer le véhicule au garage, enlever le petit dégât que j'ai pris, tout petit. À peu près. Tant pour moi, j'ai plus l'habitude des poteaux. Ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas touché à ce nom. Hein. Peut-être la saison 13. Peut-être depuis la saison 13, j'y ai pas touché quasiment. Et la saison 14 arrive dans 15 jours, à peu près. Début octobre, normalement. Là, on est le 18. Je pense que je vais sortir cette vidéo-là le 18. Bon, moi, il est 2h40 du mat, vous l'aurez peut-être à 18h, 17-18, je sais pas, je vais voir. Ou je vous sortirai en début d'après-midi. De toute façon, les tutos XP font pas beaucoup de vues. Hop! Poste de garde délabré. Hop, on gardera tout ça en temps et en heure. Ah, excusez-moi, j'éternue. Allez, on continue, on va prendre la route qui monte là-haut pour récupérer la dernière tour de guet. Pas la deuxième, mais la dernière de ce petit coin. Normalement, on aura fait tout ce qu'il y a dans ce coin-là. Sauf ce qu'il y a au niveau de la station-service. Ah, il y a quand même... Waouh. Il y a quand même une sacrée vue. Ouais, je sais pas s'il y aura quelque chose à voir, mais c'est très très étendu quand même. Là, on voit le lac, on voit la voiture. Ouais, je sais pas si c'est très très intéressant, mais on verra plus tard. On fera peut-être une avec une aurore boréale. Avec la remorque, une aurore boréale. On verra. Alors, il faudra que je vous dise aussi ce que c'est le mode. Pas qu'il y en a qui me demandent. Ah, mais t'as pas dit ce que c'était?
Va falloir que je sorte le nom du mode. Pour que quand je le prenne, quand je vais le prendre, ce sera plus joli, dit comme ça. Je puisse vous dire, c'est ce mode-là. Hop, voilà, je l'ai. C'est une route, hein? Ouais. Ouf. Ça, c'est un arbre. Contente? Ah, on joue à expédition. Bah oui, alors. Bon, curieusement, ça fait un peu moins peur que dans XP. On a un peu l'impression qu'ils peuvent passer sur tous les véhicules. Alors que les pneus sont bien meilleurs sur expédition, mais. Allez, petit tour de guet. Voilà, nouvelle mission. Ah oui, Ah, numéro perdant. Ah merde, c'est celle-là que j'ai oubliée. Merde. Ah, fuck. J'avais dit numéro perdant en plus. Ah, fuck, encore le mauvais bouton. J'avais dit numéro perdant. Peut-être par là. On se téléportera peut-être au garage, on va voir. Sinon, il faudra que je redescende ici. J'aille là. Ouais, ça va, on peut être vite fait au garage. Allez. On va déjà chercher notre. On va déjà chercher notre mission. On va pas traîner, ça devrait aller à vite. Litres. Ouah, bien sûr. Oh là là, quelle simulation. Ah, sans déconner. Ouais, là il y a une belle vue là. Là il y a une belle vue. C'est bizarre, il a l'air de retirer un peu les couleurs qui ressortaient. Je suis pas sûr que ça ressorte mieux comme ça. Et là, l'aurore boréale, ça ressort ou pas? C'est bien, c'est qu'on peut le voir sur la photo aussi. En mettant la nuit. Waouh, le soleil, il est. Waouh, c'est chouette. Oh la vache! Putain, c'est joli, il y a les étoiles, on dirait une boule de feu dans le ciel, c'est. Par contre, l'aurore boréale, ouais, elle est là derrière. C'est pas plus joli que ça en fait, je sais pas. C'est pas moche, mais c'est peut-être surtout joli quand c'est en mouvement une aurore boréale. Je sais même plus. Je trouve que c'est vachement joli, hein. Là, ça l'est beaucoup moins, hein. C'est impressionnant là ce que ça ressemble. Waouh. Ah non, non, c'est chouette ça. Hein. Allez, c'est parti. J'ai vraiment aucune idée des missions, vraiment de ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il y a beaucoup de checkpoints, de points de passage. Ça m'inquiète un peu, genre de mission, parce que je trouve vraiment chiante et. Il me semble que sur celle-là et sur certaines d'Amuroblast, en plus, les missions sont. C'est des checkpoints aux quatre coins de la carte, donc quand tu les fais dans le désordre, enfin, comme tu veux, tu t'en fous un peu, mais là, comme je vais les faire, les missions, il va falloir que je fasse 50 allers-retours tout autour de la carte. Ça va être un peu chiant. Un peu beaucoup. On verra. Je vais essayer de m'organiser, mais il faudra que je fasse mission par mission, comme d'hab. Faire ça bien quand même. Alors, on arrive là et on devrait pouvoir tracer tout droit pour aller chercher numéro perdant. Ou je sais plus quoi, numéro manquant, je crois. Manquant. Ça tombe bien, il me manque aussi.
Là, la route. Ça roule mieux qu'à Taimir. C'est même pas une blague, je crois. Bon, j'ai un bon véhicule, hein, mais... Taimir, c'était quand même l'enfer. L'enfer difficile et pas agréable et pas fun, pas... Non. Vraiment, Taimir, je comprends pourquoi j'ai détesté le jeu. Enfin, j'ai détesté vraiment mon plaisir du jeu. Plus je jouais et moins c'était fun. Et puis, quand j'ai fait mon avis final, j'avais dit, voilà, ouais, bof. C'était vraiment Taimir qui m'a plombé le moral et le plaisir de jeu. Autant l'Alaska, je l'avais peut-être pas trop compris. Je l'avais pas trop apprécié à sa juste valeur. Mais alors, Taimir, mon dieu, que c'était nul. Difficile, pas très beau encore, ça passe, c'est de la verdure, c'est pas moche. Mais hop. Et bah, des tâches en tout cas, il y en a pas mal. Hein. Alors, faut que je repasse là-bas. Ouais. Je joue pas trop au con, merci d'avance. On va aller au garage. On va se débrouiller nous-mêmes pour aller au garage. On va peut-être même aller chercher la remorque, la ramener devant le garage et puis on repartira direct pour la suite. Je sais pas du tout ce que je vais prendre comme véhicule, si je vais tenter différentes choses. Bon, je vais sûrement sortir le bourlac. Peut-être un petit peu le tatarin quand même. Je verrai. Mais je vais essayer de ne pas trop abuser des véhicules trop puissants. Tester un petit peu de tout. Que je teste quand même de différentes choses. Sans non plus... Voilà, faire n'importe quoi, on va voir. Allez, c'est parti. Est-ce que je change le véhicule de couleur? Oh, en rouge, il est pas mal. Hein. J'ai pas beaucoup pris de scout rouge, il me semble. Sur mes miniatures, en plus dans la neige, ça ressort pas mal. Waouh! Oh, oh la vache! Le soleil qu'on se prend dans les dents. Allez, on s'arrache, on est où? On va arriver ici, ok. On va remonter du côté du garage. On va aller à l'entrepôt chercher nos deux tâches encore là-haut. La vache, il y en a combien? Aucune idée de ce qu'il faut faire sur cette foutue carte. Ça va être de la redécouverte totale. Total. Autant la carte, j'arrive à peu près à me souvenir de pas mal de choses, mes passages préférés, enfin les plus faciles, les plus rapides. Bah alors les missions, à part l'avion. D'ailleurs l'avion, c'est pas ici, c'est Imandra. C'est Imandra l'avion. C'est Imandra avec le garage à débloquer et tout ça. Bon, on va aller au garage direct. Après, on revient, on fait les missions, on récupère la remorque et puis on s'en va comme ça. J'aurais même pas utilisé ce que j'ai sur le toit. Pas mal.
Pas mal, on a quand même fait pas mal de petites routes, de petites routes et tout. Ouais. Pas mal de chemin. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ouais, un petit coin, ouais, c'est pas énorme, hein. Pas énorme, à peu près un tiers, peut-être un quart de la carte. Mais un des quarts les plus importants. Ouais. Ouais, effectivement. Bien, bien, bien. Et bah, allez, c'est parti. On s'en va. On va faire la suite. On va aller chercher une petite remorque sympa, donc le fameux mod que je vous parle. Que je voulais vraiment tester. Ça me paraît être le moment rêvé. Oula. Donc là, on a une mission pour potentiellement la remorque, c'est ça? J'imagine que oui, je la trouve pas, donc c'est que c'est ça. Là, on a l'entrepôt et potentiellement une mission. Qu'est-ce qu'on va trouver à cet entrepôt déjà? Poutre en métal, c'est tout. D'accord. Alors, il y a le vendeur de remorques. Et il était censé y avoir une mission. Antiquité intacte. Ok. Alors, la mission. Oh là, la remorque. En mode. Le mode. Voici le mode. Alors, qui fait n'importe quoi au niveau du placement des roues. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Remorque YAR 87 rouge, alors le mode s'appelle YAR 87 Exploration Trailer. Et le truc qui est cool, c'est que non seulement elle est en rouge, mais elle a également, alors là on voit pas bien, le orange, le noir. Je crois qu'il n'y a pas de couleur noire pour le YAR. Tiens, normalement elle est en jaune aussi. Ah bah c'est peut-être jaune, c'est pas orange. C'est rouge, noir. Attends, mets-moi la journée s'il te plaît. Rouge. Jaune et noir, voilà. Rouge, jaune et noir, c'est un peu passe-partout. Ah oui, effectivement, les roues, on voit les essieux qui passent à travers. C'est quand même pas beau, là. C'est quand même pas beau. Voilà. C'est quand même magnifique, ça. Magnifique, parfait. Donc, ce que je comprends pas, c'est que... Ah bah, antiquité intacte, non, c'est au garage, d'accord. Ah, j'ai mal vu sur mon plan, d'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est censé aller à la tour de guet là-bas. Et ben, on va prendre la route principale. Et expédition, expédition, expédition. On va passer par là. Et on ira... Il y a une route qui passe à peu près... par là, va-t-on dire, pour aller à la tour de guet. Ensuite, on ira plus à gauche, parce qu'il n'y a plus rien dans ce coin-là. Puis on continuera. Allez. C'est parti. Je sais pas comment elle va se comporter si on va sur la glace. Bon, j'irai peut-être pas avec ce véhicule, on verra. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Du coup, j'ai pas trop regardé. Elle contient 330 litres d'essence. Généralement, c'est 900 litres la petite remorque Scoot, donc c'est pas du tout cheaté. Et en réparation, 300, 4 roues de secours. 4 roues de secours, c'est peut-être un peu beaucoup. De toute façon, on en a rarement besoin de 4. Hein. Et 300 de réparation, c'est pas énorme. C'est pas énorme, franchement. Bon, on dirait qu'en fait, c'est ce qu'il y a sur le toit. 3 caisses. 3 caisses de 100. L'essence, on a dit combien? 330, ouais, c'est pas uniquement ce qu'il y a sur le toit, là. Bon, enfin, on va pas s'emmerder à compter. Mais en tout cas, c'est honnête. Je trouve que c'est totalement honnête. C'est très très bien. Ça fait vraiment un ensemble très très chouette. On part vraiment en expédition. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire sur ce coup-là, surtout qu'il n'y a pas de remorque dans l'expédition. Bon, c'est pas forcément un mal. Hein, mais... Bon, par contre, la remorque, il faudra potentiellement que je la ramène jusqu'au garage. Bon, tout est gratuit dans mon, dans ma partie, mais... Le but, c'est surtout de vous refaire toutes les missions et puis les faire proprement, séparément.
Je prends pas toujours, voire rarement, les meilleurs véhicules. Hein. Sinon, je vais tenter de prendre pour chaque véhicule pour 10 missions dans tout le jeu. Minimum. Elle a l'air un peu lourde, j'ai l'impression qu'elle m'emmène un peu. Le rouge est peut-être pas tout à fait le même. C'est pas trop grave, mais... Alors, cette route-là. Je sais pas combien j'en suis déjà de la découverte. Hop. De toute façon, j'aurais pas le choix. Ça serait une découverte longue. 41 minutes, ah, quand même. Ah, quand même. Ah, ouais. D'accord. Ouais, bon, on est parti sur une bonne heure et demie, je pense. Il y aura pas le choix. Il n'y aura clairement pas le choix. Alors là, je vais partir beaucoup plus en ligne droite. Je vais aller beaucoup plus au vif du sujet, normalement. Vu où sont placés tout ce qui est mission et tout ça, il y aura beaucoup moins de petits détours à faire. Ça ne veut pas dire que ça va rouler nickel. Il n'y aura plus de tour de guet, surtout. Hein. Il n'y aura plus rien. Hein. Ouais, elle me retient pas mal cette remorque. Hein. Ouais, je confirme. Hein. Je sens que le véhicule a envie d'avancer, mais il tire un poids. Hein. Déjà 20 litres d'essence de partie. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être pas fait un très bon choix de prendre cette remorque, mais j'avais envie. C'était le moment ou jamais de la tester. Conditions réelles. Là où elle est censée être. Ouais. Pied au plancher, j'arrive à rien. Peut-être relâcher un peu l'accélérateur. Pas beaucoup mieux. Alors ça roule bien, je crois. Heureusement, en auto, il a l'air de moins peiner. Ah, il y a des rondins de bois ici pour faire le chemin, ok. Ah. Alors ce que je vois, c'est assez clair, hein. Tout ce qu'on voit en blanc là, hein, ça casse. Donc, on va pas être con, hein. On va éviter, hein. Merci, au revoir.
Non, merci, plutôt. Bien, on est ici. La tour de guet est là-bas en face de moi. Impeccable. Ça, par contre, ça peut être sympa. Et voir, c'est moi ou... Ouais, j'ai l'impression que les couleurs, elles sont pas belles quand je mets après-midi, hein. Là, ça fait un petit peu bleuté, c'est chouette. Ça met un petit peu de couleur. Ouais, c'est chouette ça, hein. Hop, on verra bien ce que je prends. Alors, où suis-je? Bah j'arrive à la tour de guet, donc hop, on dégage. On va se débrouiller tout seul. On devrait y aller. Ah, c'est bizarre, il s'en sort mieux en auto quand... Alors là, on n'a rien du tout à gauche. Non, rien du tout par là, que dalle. Sûrement une livraison, mais rien à récupérer. Là par contre, ouais, là on arrive peut-être dans un moment un petit peu compliqué. Ouais, c'est là que ça va glisser un peu, à mon avis. Surtout avec une remorque qui va bien bien m'emmerder, ce que je vois. C'est un peu un boulet cette remorque quand même. Le véhicule fait du bon boulot, mais... Non, tu veux pas? J'ai donné un petit coup de treuil encore. C'est bon. Alors, j'ai peut-être foiré la tour de guet, ça se trouve elle était à gauche. Elle est là. Je pense, hein. Tourne pas, hein. On dirait qu'il tourne, mais il tourne pas. Ouais, la tour de guet est bien ici. On récupérera la remorque après. Évidemment, vous l'avez mis derrière des arbres, des rochers. Si je veux faire ça propre, faut que je fasse le tour. Problème d'avoir un bloc diff toujours actif, hein. C'est qu'on peut faire tout le tour pendant longtemps comme ça. Hop! Voilà. Donc là, ça va nous détecter potentiellement 3-4 missions. Spéléologue rural. Mauvais temps. Wagon renversé. Voyons qu'il y en a un paquet de tâches. Et réserve de l'armée. Ah ouais, non, mais franchement, il y a un nombre de tâches sur cette carte qui est incroyable. J'ai le compte, hein, j'ai le compte, hein, vous inquiétez pas. J'ai le compte sur mon fichier, mais je ne suis pas emmerdé à me spoil tout ça. Je découvre. Ah, je me suis gouré de bouton. C'est pas le bon pour le frein à main. Alors, on va repartir par là. On va peut-être regarder qu'est-ce qu'on va y faire. Ouais, bah on arrive là, donc on va prendre les 4 missions. Et puis on ira une petite route par là qui nous emmène à une amélioration. Donc, va falloir prendre... Oh merde. Oh merde. Falloir prendre ça, peut-être ça. Ça, je sais pas si c'est pas ici qu'il faut récupérer la remorque radar. Je la vois pas. Ah, wagon renversé, c'est un défi. Donc il n'y en a que 3. Antiquité intacte, je l'ai déjà. Donc techniquement, on va faire ça. On va ressortir. Non, on va pas ressortir. Si, on va ressortir. Repasser là, il y aura une petite route par là. Quelque part dans le coin. Allez, c'est parti. Il
Là, le sol est pas très bien fait, hein. Bizarre, il y a des petits pixels partout, c'est dégueulasse. Ouf. Oh, j'ai failli manger le poteau. Merci à la caméra de l'enfer. Désolé, je vais regretter si je le fais pas. Putain, c'est une remorque scout, ça devrait être facile à manœuvrer. Oh putain, mais elle fait n'importe quoi! Bah, j'ai l'impression qu'elle fait n'importe quoi cette remorque. Ouais, ça fait vraiment tout blanchâtre et j'aime bien le côté un peu coucher de soleil. C'est pas mal. J'aurais dû peut-être. Ah! Ah! Je te déteste! Un jour peut-être ils vont améliorer SnowRunner. Peut-être. Peut-être. Peut-être un jour. Peut-être un jour ils mettront ce qu'on leur demande depuis 50 ans de sauvegarder les paramètres photo. Excusez-moi pour l'attente. Oh, j'ai retourné un Antarctique sur ces pierres là. Hop. J'aime pas trop ce genre de truc là. Non, ça va, il tolère. Réserve de l'armée. Le wagon renversé, c'est l'autre. On la prend pas, c'est un défi. Ah merde, je peux pas passer par là. Ah bah ça doit peut-être être dans ce coin-là qu'elle est à la remorque, non? Ouais, il y a du trial là. Bah tiens, elle est là, la remorque. Voilà. La remorque est par là. Je sais pas quand on ira. Peut-être qu'on reviendra avec la Gorbaille, je sais pas. Ça sera peut-être de faire mes muses avec quelque chose. Il va peut-être pas aimer le rail. Si. Voilà, spéléologue rural. Bon, on va bientôt avoir fait le bas de la carte. Et le haut est beaucoup moins chargé. Beaucoup, beaucoup moins chargé. Ah, c'est peut-être le rail qu'il faut que je suive, en fait. Ah, c'est le rail qu'il faut suivre pour aller chercher l'Amelio. Bon, je vais peut-être me séparer de ma remorque, alors. Ça sert à rien qu'elle m'emmerde à venir avec moi, qu'elle me retarde. C'est quand même chouette, une région enneigée. Ah là là, le jour où ils vont nous en faire une sur Expédition. Qui est beaucoup plus jolie au niveau du décor, tout ça. Ils ont fait vraiment des efforts, des améliorations et tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a surélevé pour l'Actaeon. Bien. Oui, si, il y a l'Actaeon dans cette carte, normalement. Je sais pas du tout, je suis perdu. Normalement, il y a la F750 ici et l'Actaeon. J'ai fait des tutos, mais alors je me souviens déjà plus où ils sont. J'ai la carte devant moi et je les vois pas. Donc je suis un peu paumé. Donc tout le bas va être fait, on va remonter. Il y aura le détecteur de métal, normalement, à trouver. C'est une amélioration de carte. La remorque, on dirait plus du tout qu'elle est rouge.
Ah, pire, ouais. Bon, d'accord. C'est pas beau du tout. Ok. Ça manquait un peu de contrôle. Les dalles. Ah, bah, je les ai zappées, les dalles, du coup, en passant par la. Espèce de gare. Donc, on va continuer. On va aller chercher deux autres tâches, peut-être du côté de la Syrie. Belle zone dégueulasse là. Je pense que je suis content d'avoir des pneus boue plutôt que d'avoir des chaînes. Non, pas encore. Ah, il n'y a qu'en boîte auto où ça tire bien la remorque. Hein. En boîte lente, il aime pas. Hein. Oh, c'était juste. Là, la Syrie est là. Et bon, en fait, je suis en train de passer à côté des missions. Hein. On va redescendre, faire ça proprement. Ouf. Ah, c'est là que l'Antarctique il a pas aimé, je crois. Ah, c'était là. Ouais. Alors, visiblement, ils ont fait un joli petit passage ici. Viens, viens dans ce joli passage. Viens. Monsieur, tu vas voir, on va s'amuser. Mais non, ça casse pas. Mais non, pourquoi veux-tu que ça casse? Clairement, ce que je vois, tout casse. Hein. Tout casse, tout est blanchâtre. Ça se voit que c'est quelque chose qui va péter. Je pense pas que en roulant à une certaine vitesse, ça casse pas, je sais pas. J'ai pas fait beaucoup de tests. J'ai pas fait beaucoup de tests pour savoir si en roulant moins vite, ça casse. En tout cas, là, j'ai réussi à m'en sortir alors que je pense que ça casse. Hein. Et j'ai un scout assez lourd, une remorque je pense assez lourde. Waouh! Ah, je suis sur le cul! Alors là, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà passé par là, moi ça me dit rien. Je pensais que ça aurait pété et non. Alors là, j'ai appuyé un tout petit peu sur ma gâchette. Essayez de faire ça tout proprement, je suis sur le cul que ça soit passé. Ah ouais, d'accord. Je pensais que ça aurait cassé. D'accord, ok. Alors, il y a une tâche ici et une autre à droite, je crois. Il faut vraiment se mettre en auto, sinon il est pas content. Hein. Convoi abandonné. Waouh, il y a combien de tâches sur cette carte? Pas encore d'horreur boréale à cette heure-là. Ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air pas l'air spécialement une zone compliquée, et pourtant je galère. Peut-être la remorque. Tank ouvert. Ok. Oula. Ouais, non. Elle tourne très très vite. Je pense que la flèche est très courte. C'est moi la flèche tourne? Non. La flèche est très courte, du coup, forcément, je pense que ça part à la vitesse du son. Ouais. C'est quoi là-bas? Il y a un point jaune, mais je sais pas ce que c'est. Pourquoi il y a un point jaune, mais. Il y a le point de chargement, mais il y a un autre truc, on dirait. Ça reste une zone de livraison, d'accord. Gestion cargaison, baril de pétrole. Ok. Alors je rappelle, si vous voyez les statistiques des livraisons, des remorques, des pneus, c'est encore et toujours le mode Tires and Cargo mode. On
J'ai mis le frein à main et pas avec la bonne touche. Alors, aurore boréale, toujours pas. Alors, donc on a fait tout le bas. Il reste au niveau de la zone de glace quelques missions. Ah oui, du coup, il n'y a rien du tout de découvert là. Ouais, d'accord. Ok. Il y aura un pont à construire. Je sais pas si je l'ai déjà. C'est quoi le nom de la mission? Ancienne intersection. Eh ben, je crois que je ne l'ai pas, donc il va falloir aller la chercher. J'avoue qu'être en mode expédition comme ça, la remorque et tout, c'est chouette. Hein. Là, le scouting, je trouve, est très sympa, très intéressant. Et pas juste avec un 4x4 qui a des pneus pourris. Ah bah voilà. Ah bah elles étaient pas là-bas, elles sont là-bas derrière les aurores. Oh, elles sont pas très bien placées pour avoir un truc. Ah. Ils ont encore pas rangé leur chambre. Par contre, j'aime pas les points bleus, c'est souvent des points de visite. Hein. Hop, hop, hop. J'aime pas du tout les points bleus et j'ai l'impression que. Je pourrais pas s'y passer la rentre. Ouais. Ouais. Ouh, ça va être juste hein, là-dedans. Oh, la zone de collision, elle est tellement pourrie. Alors, je sais pas si la remorque passe pas aussi. Ouais, la remorque passe pas derrière. Voilà, c'est bon. Donc cette zone-là, ouais, il y a aussi du... Il y a du off-road. Qu'est-ce que tu fais, la remorque, là? Il y aura aussi du trial un petit peu ici. Je pense qu'on sortira la gorbaille. Elle sera dans son élément. En fait, les aurores boréales, c'est même pas intéressant. Elles sont complètement derrière. Alors peut-être que... Quand je ferai le dessus de la carte, on verra peut-être dans ce coin-là, mais... Encore une tâche, un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou quand même. Combien il y en a? Alors, mon fichier, tableau, info. Alors, moi je vais partir par là et je vais... Bon, quitte. Et je vais aller chercher les tâches qui me restent. Alors, Yur 1. Ah, c'est vrai que du coup, on est passé au Yur 1. Hein. 20 tâches sur le lac Kovd. What the fuck? Ah oui, 20 tâches. Oh là là, c'est beau. Oh là, on a une belle vue là. Ah oui, là on a une belle vue là d'ici. Là on a une belle vue là. On va même pas changer la luminosité, la météo, quoi que ce soit. Là c'est propre là. Là on voit vraiment le lac là. Ah ouais. Là on voit vraiment une belle étendue de gel là. Lac gelé, toutes ces conneries. Très chouette. Là, beaucoup moins, du coup. Là, éventuellement, on peut peut-être avoir l'aurore boréale. Voilà. Bon, en fin de compte... Je sais pas, je suis assez déçu, en fin de compte, finalement. Bon, pire, le véhicule qui touche pas le sol, hein, on n'en parle pas, ça, hein. Non, surtout on n'en parle pas. Ouais, je suis pas plus fan que ça en fait. Je préfère limite plus le matin. Je trouve que ça met une teinte un peu sympa. Mais en fait, les aurores boréales. Puis alors, je sais pas pourquoi il y a une météo. Ah, c'est après-midi 3 qui est un peu plus coloré vraiment. Bon, je sais pas si je l'ai pris, on prend et on dégage. Hop, c'est parti. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Ah, c'est vrai que on a quand même des. Et c'est ça qui est décevant avec l'expédition. On a vraiment des saisons quand même assez variées. D'accord. Au niveau des ambiances et tout, on a quand même eu des choses dans SnowRunner plutôt cool. Contrairement à XP ou saison gratuite
Canyon. Saison 1, Canyon. Saison 2, peut-être de la forêt. Mais va falloir. Va falloir se bouger les noix, mais quelque chose de bien. Ça va pas être possible autrement. Alors, combien on a de tâches ici? Normalement, il y en a 3. Peut-être que certaines sont à débloquer, j'ai pas trop vu. J'en vois une. J'en vois deux. Je l'ai dans le temps. Ah bah, il y en a 3. Livraison de marchandises. Oh, c'est un délire. C'est un délire, la vie du rail. C'est un délire le nombre de tâches que tu trouves et 3 au même endroit, t'en trouves partout, c'est... Oh, j'ai du mal. Ah bah oui, j'ai plus d'essence, c'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça que j'ai du mal. Ouais, du coup j'ai 3... Ah oui, j'ai quand même 3 pleins. Ah ouais. Ah oui, et puis j'ai ce que j'ai sur le toit. Ah oui, je suis quand même tranquille un moment là avec ça. Hein. C'est pas si exagéré que ça, parce que il y a la petite remorque qui fait 900 litres. J'ai pas besoin de réparation, donc... On n'est pas si mauvais que ça, hein. J'ai presque envie de tenter de traverser la glace en mode comme j'ai fait tout à l'heure, tout lentement. Alors, je crois qu'en plus, il faut aller là-haut. J'ai une amélioration qui se trouve au-dessus des tâches, là. Potentiellement par là. Donc, je tenterais bien de traverser ici. Ça n'a pas l'air trop... Oh, putain. Ah, putain. Ça n'a pas l'air trop large. Si je tente de traverser tout doucement comme j'ai fait tout à l'heure... Bon, par contre, il n'y a pas d'arbre. Hein. Il n'y a pas d'arbre. Ça a l'air encore plus fin que tout à l'heure. On se la tente. Ça, je suis curieux de savoir vraiment. Est-ce que... J'ai pas fait trop de tests, hein. Savoir si c'est le véhicule, la vitesse. Je suis toujours passé à travers, moi, ces trucs-là. Alors, elle se trouverait sûrement là-dedans. Hein. Mais alors, pour monter, moi, je suis mort. Hein. Je suis mort, je monte pas. Hein. Il y a l'air d'avoir une petite route qui vient par là. C'est quoi? Jusqu'au genou. Oh, oh, jusqu'au genou toi-même. Hein. Jusqu'au genou étranger. Oh la vache. Bon, on va aller chercher la petite route à gauche. Je monterai jamais ici. On va essayer de pas exploser le tout là-dedans. Petite route, elle doit être là normalement. On a un joli pont pété qu'on ne répare pas. Il est très très joli. Hein. Ah, il est très très joli votre pont pété, hein, mais ah, ça aurait été bien de le réparer, hein, votre pont pété là. C'est un pont vraiment assez intéressant pour éviter de passer par les lacs gelés. Ça aurait été logique de faire ce qu'il faut, mais non. Hein. Alors, il y a visiblement une tâche là-bas que je peux récupérer ailleurs. Elle est tout à gauche. Elle est bien plus à gauche que ça. Mais je vais retourner en chercher une, visiblement, jusqu'au genou. Et voir, elle est là-dedans ou pas? Je l'ai dans le temps. Ah oui, tout ça, j'y ai déjà. Ah oui, tout ça, j'y ai déjà. Waouh. Ah oui. Étranger. Ah, c'est le Ford F750 qui est là-haut. D'accord, c'est ici, ok. Ok, je commence à retrouver où sont les véhicules. Je vais aller la chercher, la tâche. Je vais aller la chercher, c'est peut-être pas celle-là, là où il faut la prendre de base, mais... Bon, allez, on va se promener un petit peu, c'est le but. Hein. Découvrir la carte, parce que je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout, c'est abusé. Donc je vais essayer de découvrir un petit peu, même si on y reviendra forcément. Mais 20 tâches quand même, hein. 8 contrats je crois, 20 tâches, c'est impressionnant. J'ai assez hâte de pouvoir regarder qu'est-ce qu'elles font faire, comment m'organiser. J'espère que ce sera pas trop décevant au niveau
variété. En tout cas, vraiment, le véhicule est dans son élément et heureusement que j'ai un bon scoot quand même. Quelque chose de plus petit, j'en aurais un peu plus chié. Un Hummer, un truc comme ça. Je sais pas en quoi je l'ai exploré quand je l'ai eu. Ouais, il fait le malin là-bas, mais. Oh, pire, la tâche est juste sur lui. Je pense pas que ça casse tout ça, on dirait vraiment de la neige. Hein. J'espère en tout cas. Sinon, je vais avoir l'air d'un gland. C'est de la neige. Hein. C'est de la neige. Voilà, jusqu'au genou. Encore une. Incroyable, toutes les tâches qu'il y a dessus. Je m'en souvenais plus. Mais 20 tâches, 8 contrats, du coup. Alors, on l'avait eu, faut quand même se remémorer. Pour ceux qui ne savent pas. Qui ont découvert le jeu un petit peu après, c'est que cette saison est sortie en deux morceaux. Déjà, on a eu la faille de Taimir qui est sortie à part. Après, on a eu un PTS, puis la sortie de cette carte. Et ensuite, re-PTS, puis sortie de la deuxième carte d'Imandra. C'était très particulier. C'est la seule phase qui est sortie comme ça. Ça s'est jamais reproduit de sortir le truc en deux. Tant mieux d'une certaine manière, autant qu'ils prennent leur temps plutôt que sortir ça trop vite. Mais c'était étonnant parce qu'en plus tout avait l'air prêt. Hein. Si vous regardez le trailer, vous verrez qu'on voit le Board dessus. Je crois qu'on voit d'autres choses, je sais plus quoi. Le Board c'est saison 3. Je crois pas qu'on voit les 4, le KRS non plus. Mais on voit quelques véhicules donc qui étaient déjà prêts pour la suite. Et je pense que c'était prévu depuis longtemps tout ça, donc c'est curieux. Est-ce qu'ils ont eu des soucis? Est-ce qu'ils ont préféré étaler les sorties? Je sais pas trop. Allez, on repart, ma belle. Je sais pas si je la ramènerai au garage. Je pense que je la détruirai parce que là, on va déjà être à 1h30 de vidéo. On a 1h12. 1h12, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Alors, remets-moi. Voilà. Alors, je vais avoir, oui, l'amélioration qui est là. Faut pas que je l'oublie. Hein. Faut pas que je l'oublie. Je vais avoir une petite route à droite un peu plus loin. Et j'aurai la médio et après j'ai beaucoup de trajets à faire avant de tomber sur autre chose. Alors où elle est cette petite route? Elle est ici je pense. Et je pense que je vais laisser ma remorque de côté. Aucun intérêt qu'elle m'emmerde dans mon parcours. Visiblement, va être coton. Oh la vache. Oh, s'enchaîne, ça va être un plaisir tout ça. Ah, oh, ça va être un pur kiff, je sens. Oh, puis alors en plus, c'est pas large. Alors, curieusement, j'en chie pas, ce qui m'étonne. Vitesse lente. J'en chie pas beaucoup, je trouve, hein. Je sais même pas s'il y a des arbres à s'attacher, des tout petits là, mais... Ouais, ok. Putain, ils montent étonnamment trop facilement. Ça me paraît pas normal. On a l'amélioration qui est là. La descente, elle risque d'être violente. Ouh, les textures qui dégagent. C'est pas beau. C'est pas beau. Merci. Hop, custom personnalisé pour le Ford. Ok.
Alors je pense que les AWD pour le Queen Steer et le GMC vont être sur Imandra. On va y aller doucement si on peut. Ah, c'est sûr qu'on descend beaucoup plus vite, hein. 100 dégâts pour l'instant, ça me convient. Aïe. Ensuite, on n'a rien de ce côté-là, donc... Ouais, je sais pas trop de quel côté on va partir là. On va arriver à l'espèce de grand virage avec le bunker qui est là. Jusque de l'autre côté. On tentera peut-être de couper la glace par l'autre côté, histoire de voir si ça passe. Ça va? Juste pour voir s'il y a moyen de faire une photo bunker. De toute façon, on va en faire. On va en faire, à mon avis, des miniatures bunker. Mais là, avec le poteau dégueulasse, c'est pas beau. C'est pas beau. Éventuellement là, avec le joli câble téléphonique en travers, alors que plus personne ne vit ici, mais... C'est con, hein, le câble téléphonique, hein. Vraiment. Vraiment, c'est con, hein. Bon, allez, on va en prendre une quand même, mais... Je suis pas convaincu. Alors. On est ici. On est ici. On va avoir une petite route par là. Jusqu'au genou qu'on a déjà. Étranger. Au pire, ça me ferait revenir. Ouais. Ouais, alors il faudrait aller jusque là-haut aussi. Il y a du chemin encore. Hein. Il y a du chemin. Je pense que je vais aller les voir. La route, elle est un petit peu plus loin. Hein. Elle est là-bas. Je vais avancer. Je vais larguer ma remorque. Je vais aller les voir, je vais revenir, on va explorer jusqu'à Imandra. Ouais, c'est un peu casse-gueule. Hein. Un peu beaucoup casse-gueule quand même. Je reviens, va falloir qu'on monte jusqu'au-dessus. Il y a plein de choses au-dessus. Là, il n'y a plus rien après ça. Peu étroit dans ce coin-là. Ah, il y a une petite maison ici. Il y a un défi que j'ai pas, je pense. Logiquement, parce qu'ils sont que à l'endroit où ils sont, donc je vais choper le défi et puis peut-être une mission à côté de celle que j'ai déjà. Oh non, c'est abusé ça. Oh, c'est tellement abusé. Oh, c'est tellement abusé. Oh, c'est tellement abusé! J'ai pas de cric, hein. J'ai pas de vérin, hein, on est d'accord, j'ai rien. J'ai pas d'octroi autonome, j'ai que dalle. Ouais, je suis à 200 bornes du garage. Ouais, non, mais c'est super, hein, c'est top. C'est top, top, hein. Ouais, non, c'est impeccable, hein. Impeccable. Vraiment top, hein. Super, merci, c'est. Merci. Top du top, hein. Vraiment, le petit coin casse-gueule qui existe pas, là, c'est abusé, hein. C'est abusé. Vraiment abusé. Je crois que je vais me prendre un tank là pour aller me chercher ça vite fait là parce que je suis dégoûté et je vais pas y passer 4 heures. Alors je vois que j'en ai carrément deux de tatarin, je vais en revendre un même si c'est gratuit. Ça me prend un truc de moins. Je prendrais bien plein d'autres véhicules hein.
Mais le problème, bon, il a même pas de. Ok. Il a quasiment pas de custom. J'aime pas pourquoi je regarde ça. Ça aussi, c'est pareil. Avancer. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Par soleil. Ouais, si tu veux. Klaxon, non. Non. Couleur. Ouais, on a le croco. C'était un signe, hein, le croco. Est-ce qu'on a une couleur un peu de neige? Ouais, bleu. Ouais, c'est pas fou, mais. Je vais tenter de passer par le lac gelé pour couper un peu. Je pense pas que lui il passera à travers la glace, mais. Enfin, il passera à travers, mais dans tous les sens du terme. Ouais, avec des pneus à 8 dans la boue, hein. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah bah oui, mais. Ah bah c'est cheat code sur patte, lui. Hein. Ah bah là, il va m'aider à aller très très vite. Hein. Bon, je vais essayer de pas trop le déglinguer, mais là je suis dégoûté. Franchement, il s'est tellement mangé pour rien, le Yar, c'est abusé. Ah, je suis tellement vert. Il va glisser ou pas, lui? Je sais même pas. Tellement de cheaté, il est capable d'accrocher sur la glace. Hein. Le blanc, là, je pense que ça peut casser. Oh là là, je suis mévert d'avoir craché le Yar pour rien. Ah, je déteste ça. Bon, je vais mettre 1 minute 50 à le rejoindre tellement ça a des potes. Alors, je suis où? Je suis quand même loin de du passage de la glace où je suis. Hein. Ouais, très loin. Alors si je veux éventuellement couper sans être trop emmerdé, je crois que c'était ici. Hein. Ça, si vous voulez pas que vous enfoncez, vous roulez sur ce genre de débris, ils sont pas faits pour s'enfoncer, donc techniquement vous risquez rien. Il restera un tout petit bout là où vous pouvez passer à travers et c'est fini. Normalement, je suis passé de l'autre côté de la faille. Allez, pieds au plancher. Ah, je suis mais dégoûté, c'est incroyable. Tout se passait très bien, j'y allais tout tranquille. Mais non, SnowRunner de retour. Des véhicules qui se retournent, on sait pas pourquoi. À moins que je puisse passer par ailleurs, je sais pas, je connais même plus la carte moi. Il se trouve, il y a moyen de couper par d'autres endroits. Hein. Je vois qu'il y a une route là-bas à droite. Il y a une route là-bas à droite. Ouais, ça peut peut-être me faire un raccourci. Ouais. On peut tenter. On peut tenter. Ça peut être intéressant de couper par là. Ouais, je suis vraiment. Bah, je suis ici. Je suis ici, donc je suis pile poil là où il faut. Je suis exactement là où il faut. Enlève-moi ce marquage. Ouais, la route là, elle se détecte pas bien à la carte, hein, je trouve. Voyons que je suis passé et. Faut continuer. Ah, j'aurais pu partir à gauche et puis ouais. Ouais, on va essayer de découvrir la carte à droite. Eh ben, si même le tatarin il en chie comme ça, ça donne une idée de ce qui m'attend. Je vais peut-être y réfléchir à deux fois avant de prendre un Transtar. Hein. Je suis désolé.
bizarre, c'est qu'on dirait qu'il veut avancer, mais non. Eh ben, moi qui voulais faire une vidéo d'une heure et demie, c'est foutu. Ça ferait une belle vidéo d'au moins 2 heures, je pense. Alors, je suis où? Je suis en train de partir par là. Ouais, j'aurais peut-être dû partir à gauche. Je pense pas que je pourrais rejoindre le contre-la-montre qui était juste devant moi. Wouah, sans déconner. Avec un camion pas bon, je m'en sors jamais ici. Hein. Alors là, j'ai intérêt de faire gaffe dans le choix de mes routes. Hein. Waouh. Bon, je suis quand même venu faire des tutos début de jeu avec mon Fleestar pneu de route. Hein. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Hein. C'était très con et j'ai réussi à le faire. Autant il y a certains véhicules, j'ai ramené un P16, un truc comme ça. Mais si je me trompe pas, celui-là, je suis venu avec mon Fleestar, hein, techniquement. Ah, il y a des zones qui sont vraiment très difficiles. Alors, le tuto doit être devant moi. Le défi, pardon, pas le tuto. Aïe, voilà. Ouais, je tenterais bien de passer, mais... Après, c'est un tata, hein. Alors, j'ai essayé de pas accélérer trop fort. Pas sûr que ça ait changé quoi que ce soit. Voilà. On va garder le tata pas très loin au cas où. Ah d'accord. On va prendre celle-là direct. Ouais, généralement je prône de sauver le véhicule avant d'aller faire d'autres conneries. Étranger. Ford F750, bah voilà. Bon, j'irai peut-être quand même le voir de loin, mais j'ai sa mission. Alors le yard étant là-bas, par contre il est peut-être du côté... ouais, il est pas du bon côté. Je m'en suis même pas approché. Je m'en suis même pas approché, j'ai auto-détruit le véhicule. Non mais sans déconner, putain. Aïe aïe aïe. Ah ouais, tu vas te remettre sur tes roues, je t'assure. On va laisser Monsieur Tata ici. On a les missions. On va partir, on va aller voir du côté du Ford. Et puis après, on fera tout le dessus de la carte, toute une ligne droite quasiment. Plus des blocages d'une amélioration. Puis on essaiera de traverser pour aller au garage, voir si ça passe. On vient de voir que bah, du coup, je l'ai fait en Tata. À un endroit précis, mais il est passé. Je sais pas pourquoi je me tape tout le truc en moonwalk. Hein. Ouais, surtout une connerie pareille là. Ouais, là c'est SnowRunner, hein, c'est pas Expédition. Expédition, j'aurais eu aucune peur, mais là, je me suis légèrement fait dessus là. Donc, suffit d'aller tout là-bas et le Ford est là-haut. On va y aller par la route. Ah ouais, là je suis allé un peu vite, du coup je suis passé à travers. Allez, on reprend la remorque. Je crois qu'on va passer par un petit village où il y a une tonne de neige au mètre carré. Oh là là, mais il y a des fois le jeu il te met au milieu du menu, c'est... Je sais pas pourquoi. Oh bah tiens, t'as envie de supprimer ta remorque peut-être? Non, non. Non, pas trop, non. Non, non, je vais y réfléchir, mais je crois pas. Ouais, après pour rejoindre mon chemin au-dessus, bah faudra que je passe juste à côté du F750, ça se trouve.
Alors je prenne un bon véhicule pour pouvoir le dépanner celui-là. Je vais passer à côté d'une route. Je sais absolument pas où elle va. Oh, je me rappelle de ce passage. Oh là là, je me rappelle quand j'avais 273-210 collés au cul pour emmener du bois sur la deuxième carte. Oh là là, je me rappelle. Oh l'horreur. Oh l'horreur, l'horreur. Oh, il y a des mauvais souvenirs qui remontent, ça y est. Ah, il y a quelques routes, ouais. Va falloir débloquer le garage sur la deuxième carte le plus vite possible. Je partirai peut-être l'explorer avec le yard quand même, histoire d'avoir l'essence là dans la remorque, ça peut être cool. Je pense pas que je prendrai autre chose, je vois pas ce qui pourrait faire le boulot à part peut-être un bourlac, mais ça pourrait changer. On est où là? Ouais, on contourne tout ça. Ça c'est fait, donc on va monter jusqu'au passage d'Imandra. Normalement il est ouvert, hein, il n'y a rien à faire. Ah bah ça aura fait une sacrée vidéo. Allez, on arrive au village. Absolument horrible, je crois. Ouais, on arrive là-bas en face. What? Off. Ouais, je me suis collé dans un pixel là, sans déconner, c'est abusé. Tiens, je crois la remorque elle est un peu plus large que moi, non? Non. Le fameux village où il y a 4,50 m de neige un peu plus loin. Si je m'en rappelle bien. Je sais pas trop. Par où je passais, je sais plus. Mais je vais tenter par là. Ah oui. Eh oui, mais ce que j'y ai, c'est que je voudrais que ma remorque passe, mais... Là, c'est foutu, hein. C'est bon. Alors, c'est pas trop mon véhicule que je veux emmener, c'est la remorque, hein. Non, ça passe pas si mal que je croyais. Ah bon. Il me semblait que c'était beaucoup plus profond que ça. Alors, je sais qu'il y a une route aussi sur Aegis, je crois, hein. Il y a une route à Aegis qui est peut-être beaucoup plus enneigée que ça. Après, peut-être ça dépend des véhicules aussi. Avec un véhicule peut-être un peu bas, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué. Ah, il y a là, bah oui, voilà. Ah, là. Ah, là, on arrive au cœur du sujet, là. Ah, voilà. Elle est là, la neige. Elle est là. Toute la neige de... Toute la neige qu'on n'a pas eue cette année, elle est là. Là, voilà. Fait tout petit dans son camion. J'ai plus un 4x4, ça. Hein. Déjà, c'est un 6x6, mais... C'est vraiment du gros véhicule, là. Ouais, c'est déjà un yard galère, quand même, comme ça. Je vais bien réfléchir à ce que je vais prendre comme véhicule. Hein. Je commence à reconnaître un petit peu toute la carte, à me dire où est-ce que ça passe pas.
Va falloir que je groupe les missions, que je réfléchisse vraiment bien à ce que je vais faire. Ça pourrait être fatal. Donc le Transtar, il n'y en aura pas, hein, curieusement. Ouais, galère. Il y va, il ralentit pas, mais il galère. Oh la vache, j'avais dit qu'il y avait 2 tonnes de neige. Ah, j'avais dit qu'il y avait 2 tonnes de neige, hein. Je me suis pas planté, hein. Cette route-là, mais... Un enfer. Pierre Marmorque, je pense, elle fait le poids. Elle, moi, ça, les roues tournent même pas. Les roues tournent même pas, je traîne un boulet. C'est le cas de le dire. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. T'enlèves le frein à main, s'il te plaît? Non, non, il y est pas, d'accord. Oh, c'est abusé. Les roues tournent même pas. Ah, là, elles tournent déjà. Oh la vache, cette zone. Ouais. Mon Dieu, mais ça va durer combien de temps encore ce passage pourri? La vidéo va durer 4 heures. 1h37, ouais. On a vite 2h15. Hein. 2h15, je pense, vu comment c'est parti. Bon, il y a des petites maisons détruites là, mais je crois pas qu'on vienne y faire quoi que ce soit. Ou... Allez, tu vas être sur du bitume là. Ah, je crois. Mais en tout cas, ça a l'air tout beau. Voilà. Ouf. Oh là là. Quelle galère, allez. On va jusqu'à Imandra. Je sais pas si on passera à côté du fort de F750, peut-être. Vu que tout le reste est sur sa route à l'horizontale. Super. Aïe. Alors je sais pas si je peux descendre au Ford. Il a l'air d'être juste là, je crois. Alors je peux descendre, c'est pas la question, mais... Dans quel état? Alors est-ce qu'il y a une route près du Ford? Alors il y a tout un chemin. Ouais, il faudrait quand même que je recule. Putain, tu m'emmerdes, hein. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Je me gourde de boutons à cause de ce foutu jeu. Voilà, la remorque qui veut pas faire ce que je lui demande. Ouais, j'aime pas trop ce qui va se passer si je fais ça. Hein. Je pense qu'on va partir par là. Voilà. Hop. Par là. Waouh. C'est chiant quand même que les véhicules ils volent comme ça fait vraiment pas apprécier le
On trouve le véhicule est en parfait état, il va devenir pété, c'est chiant parce que ça casse un peu l'immersion de te dire ouais, il y a un camion totalement pété là-bas dans le fond et voilà, c'est là il est pété. Là il commence de tomber et il passe pas à travers parce qu'il roule pas, ok. Ça y est, il a commencé. C'est un petit peu chiant, je trouve, au niveau immersion, ça c'est pas. On a vu mieux. On a vu beaucoup mieux. Donc ouais, il faudrait que j'aille par là-bas moi. Par là-bas, je vais retomber sur une route. Bon, on coupe pas à travers les sapins. Oh, j'ai plus d'essence. Faire le plein tout de suite. Faire le plein. Donc je vais être obligé de me farcir le petit lac là. On va se prendre un lac. Petit étang. Un étang, je pense. Faut y voir un étang. Il y en a un des deux qui va sauter. Alors, où est-on? Toujours sur ce foutu truc gelé? C'est vachement long. Hein. Peut-être la route est là. Peut-être ça la route. Je pense qu'on est à la route là. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ça zigzague dans tous les sens, comme sur la carte. Curieusement, il n'y a pas de neige là, ça roule, c'est damé, c'est impeccable. Ah, il y a un bunker. Ouais, faut que je mette en auto, sinon ça avance pas, c'est curieux quand même. Ouh, Tatarin, tu démarres le moteur, s'il te plaît, tu vas me rejoindre dans pas longtemps, je crois. Je sais pas du tout où est la route là, hein. D'accord. Donc je vais passer là, il y aura un itinéraire là-bas, temps couvert, je crois que je l'ai déjà temps couvert. Je peux toujours pas aller le chercher, j'en ai pour 5 secondes. Ouais. C'est censé être. Ah oui, d'accord, ça fait un zigzag, c'est bien ce que je me disais. Ah, je tourne pas. Les roues tournent, mais pas le véhicule. Ah bah, c'est déjà ça, ah, ouais, d'accord. Ah, devant les bunkers, c'est plutôt chouette, hein. Ouais, sauf si je suis. Devant des branches d'herbe là. Allez! T'es sur un truc qui roule nickel normalement et tu roules pas. Ouais, ça peut être pas mal ça. Mets-moi le 3. C'est le mieux. Ouais, on voit le bunker, on voit les trucs, mais c'est pas. C'est pas dingo. Je suis à contre-jour. Ah là, on voit le bunker, c'est pas mal là. Hein. Ah là c'est pas trop mal hein. Bon, je pense que j'ai largement assez de photos. Peut-être au phare, on verra. C'est bizarre que je galère autant, il n'y a pas plus de neige que là-bas, j'ai l'impression. Mes pneus s'enfoncent à peine. Mais ça roule pas.
Alors la route qui monte. C'est ça? D'accord. D'accord, j'avais pas compris que c'était la route à gauche. C'est surtout que je m'attendais à un truc plus visible là où je devais aller. Allez, 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 allez. C'est bien. Je sais plus si je l'ai, mais comme ça on explore un peu tout. Ouh la vache. Je sais même pas si je vais passer. Là, oui. Là. Bof. On tente quand même. Ça passe. Heureusement que c'est une brute ce machin. C'est vraiment une brute ce véhicule. Hein. Oh bah quand même, là, y a rien. Donc, normalement, je l'ai déjà. Hein. Je crois. Ouais, je l'ai déjà. C'est pas grave, on est venu voir. Alors, on en est où? On est là. Il me reste une amélioration. Lactaion. Trois tâches avec un vendeur de remorque, j'ai l'impression. Une voiture qui est coulée, je sais pas trop. Peut-être que je l'ai déjà, mais on passera voir au cas où. Pas joli, mais ça passe. Ouais, bah la carte elle est choucarde, hein. Elle est pas facile du tout, hein. Je me débrouille avec un yard, mais ouais, avec les camions ça va être autre chose, hein. Si je prends pas du bon, ça dépendra où je vais, ce que je fais. Ouais, je sens que je vais en chier. Je sens que je vais en chier si je prends pas vos rondes à gaz. Là. Qu'est-ce que c'est encore que ce passage? Alors, il y a une amélioration dans le coin, j'ai l'impression. Pas bien loin. Une petite remorque radar, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais ça consomme et puis il n'y a pas de radar là-dessus. Hein. Non, c'est bien. C'est bien, elle est legit. Alors, l'amélioration, je crois qu'elle est là dans le coin. Hein. Elle doit être là à droite, je me rappelle plus. D'après la carte Mapreneur, elle doit être dans le coin. Elle est peut-être dans le creux. Peut-être bien dans le creux, à voir, il me l'affiche pas. Si, il me l'affiche. Avec de la glace, ça va être sympathique cette histoire. Surtout si je pars de travers là, ouais, et que je me retourne. Alors, AWD pour. Ah bah si, il est ici. L'AWD MH9500, il est sur la première carte. Ok. Je croyais que tout était sur Imandra, mais non. Je vais pas avoir le choix de d'utiliser un treuil là. Hein. Peut-être partir un peu sur le côté. Voilà. Impeccable. Eh ben, je serais content d'avoir fait l'explo, mais
Je suis nettement moins tenté de faire la phase avec des camions maintenant. De faire les missions. Ah, j'avoue que là, ouais, ça me botte pas des masses. Hein. Ah la vache, elle a l'air difficile quand même. Hein. On verra. Peut-être que ça ira mieux avec des camions un peu plus gros. Je sais pas. Plus d'empattement, je sais pas trop. Ah, faut rouler sur les rochers, là, chouette. Chic, chic, chic. Ils adorent tellement ça, les camions. Ouais, là, par contre, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est que je suis de travers et tout ce que je vais gagner, c'est me foutre par terre. Ah oui, bah surtout si la remorque, elle fait pas le boulot, là. Comment ça Bah ouais, t'es censé reculer en ligne droite, en fait, quand je te tire, la remorque. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? La remorque, elle obéit même pas à ce que je lui demande, autre œil. Bon, ok, je vais me démerder moi-même, parce que tu commences à me gonfler. Quelque chose de bien. Non, 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 non! Mais je vous foutais de moi! Comment ça le treuil il fonctionne là? De quoi? Comment ça le treuil fonctionne? Putain, j'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Ah, j'en ai ras le cul. Ah, j'en ai totalement ras le cul. Ah, j'en ai ras le cul. Puis alors, déjà, j'ai pas vu, mais sur la miniature, ça a l'air d'être horrible la remorque. Ah, j'en ai totalement ras le cul, putain. Il se crache pour rien, la remorque l'a foutu par terre, j'ai rien compris. C'est quoi ce délire? Il s'est foutu par terre juste parce que la remorque était en diagonale. Déjà, pourquoi elle était pas tirée en ligne droite? Je comprends pas, le treuil ne fait pas l'affaire. Il la fait reculer comme si elle avait une propulsion, enfin une motricité, au lieu de la faire, de la tracter avec le treuil, je comprends pas. Ou alors j'ai peut-être une route pour couper encore, hein. De toute façon ça fera explorer la carte, c'est bien, mais... Mais j'avoue que j'en ai marre là, j'en ai déjà marre du LATCOM. Oh la vache, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà ras le cul. Alors, on va passer... Ouais, par là, et on va rejoindre cette route-là et je suis pile dessus. Impeccable. Ouais, la remorque est rouge, alors peut-être qu'elle a un rouge juste un peu vif. Elle a l'air d'être modélisée quand même. Ah, j'en ai déjà marre du LATCOM, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je me plains pas mal de la difficulté des dernières phases, qui est pas ouf. Par la 13, où c'est un peu casse-gueule, mais ça va. Bah alors là... Faut dire, c'est aussi la physique de Snow. Hein. Avec les véhicules qui se retournent vraiment pour un rien, c'est n'importe quoi. Quoi, tu coinces? C'est un nouveau concept, coincer le tatarin dans 3 cm de flotte. Ça va, je suis pas trop perdant au niveau temps de trajet, au moins. J'ai vraiment assuré d'être pile poil ici, ça tombait bien. Ça tombait très très bien de me casser la gueule pas plus loin. Ah, ça j'aime pas ce qui se passe là. Ça va, normalement c'est le tatarin. Hein. Bon, j'en ai déjà retourné, hein, mais je suis pas le seul. Mais on va peut-être éviter là ce soir. J'ai pas trop envie. Ah, puis le véhicule est dans un... Dans le mauvais sens encore. Que le mieux c'est de faire ça. Non mais en fait tu le dis si je te gêne. Hein. Il met plus le frein à main maintenant quand on met le treuil, c'est une nouveauté ça. Ok, ça te suffisait pas. Ouais, non mais ce que je te disais à un moment...
À un moment, je peux plus faire grand-chose pour toi, hein, si ça te suffit pas. Ah, et puis la remorque qui est en portefeuille, là, du coup, à mon avis, ça doit le gêner pour se foutre droit. Ah, oh, putain, j'en ai marre. J'en ai marre du lac Cobb. Je veux aller au Yukon, voire peut-être même pas. Ah oui, qu'est-ce que je fasse, là? On est collés l'un dans l'autre. C'est dégueulasse ce que je fais. J'aime pas ça, c'est dégueulasse. Ah bah tiens, c'est dommage, j'étais en train de revenir. C'est dommage, j'étais en train de revenir. Oh putain. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre, mais j'en ai tellement marre. J'en ai marre du lac Cove, je suis en train de faire un Lost in Power là. Impeccable. Putain, j'ai envie de tout balancer par terre là, j'en ai déjà ras le cul. C'est impressionnant, c'est n'importe quoi. Retourner deux fois l'IAR n'importe comment. Et après on vient me dire qu'Expédition c'est de la merde, je suis désolé, vous avez jamais joué Expédition pour vous rendre compte de la physique, à quel point elle tabasse ce SnowRunner. Allez viens, t'es sur tes roues. Mais t'es sur tes roues, allez. Mais regarde-moi ça. Mais je l'ai glacé, sans déconner on se croirait dans The Mask. Je peux pas, vous m'avez refroidi. J'en ai marre. Allez, avance! Putain! Ah, j'en ai déjà marre du lac Cove, c'est un délire. C'est un délire, j'en ai déjà marre. Ah, vas-y, accroche là derrière, qu'on ait de la distance. Si ça se trouve, il va tomber, mais il va pas y aller, ou il va glisser. Voilà, il va glisser. Il va glisser. Voilà, on va lui donner un petit peu d'élan, hein. On va forcer un petit peu le destin, si on peut dire. Ah, l'autre aussi, elle est sur un arbre, j'avais pas vu. Bon. Ouais, ça va pas être respirer la beauté, hein, ce que je vais faire, mais... Alors, on s'est toujours pas compris. On s'est pas compris, hein. On s'est pas compris, hein. Vraiment, j'ai un truc à l'arrière, ça devrait être l'arrière qui attache les arbres, pas l'avant. Hein. Merci. Par contre, elle a une stabilité très très étrange cette remorque. Hein. C'est qu'elle part en diagonale alors qu'elle est tractée à plat. Ça c'est... Je me l'explique pas. Je vais peut-être réparer vite fait la suspension. Ça n'empêche pas qu'il va falloir passer cette corniche. Hein. Alors, réparer. Grille de toit si tu veux. On s'arrache. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de passer... La remorque m'emmerde, je crois. Hein. Parce que la remorque, elle m'empêche de monter. Voilà, ça y est, j'ai forcé un petit peu. Elle me retient et elle me fait tourner. Et du coup, j'arrive plus à prendre le... Ouf, doucement. Doucement. Oh. C'est pas moche, hein. Ouais, il y a un point de visite en bas, visiblement. C'est pas moche, mais c'est casse-gueule, hein. Viens voir. Oh, putain, je suis calé dans des rochers, des arbres, des trucs. Pourquoi pas. Viens voir, ça donne un truc ou pas. Oh bah super, il m'a rajouté du grain de pellicule des fois que j'en veuille. Hein, alors que j'ai supprimé dans le jeu. Ouais, on voit pas trop, mais... Ouais, ça sera pas terrible, mais allez. Ah vraiment là, ouais, ça va être dur champ la com, hein. Et pas qu'en difficulté, hein, en plaisir. Je sens que ça va pas trop être là. Hein. On en est où? On arrive ici. Ok, donc l'amélioration est faite. On arrive vers une remorque et l'Actaeon. L'Actaeon est là. Trois missions tout droit. Ok, tout droit, c'est parti. On va mettre la journée, ça sera mieux. Je me suis... L'habitude de chercher 10h du mat. L'Actaeon, il est gratuit, ça allait, hein.
pense que l'Actaeon devient direct dans la cabane, là, dans le garage. Direct dans l'entrepôt, je pense. Bon, je le surkiffe dans Expédition, dans Snow, on n'est pas dans le même délire. On tentera de l'utiliser un peu. Alors, direct dans la besace? Ouais, direct dans la besace. Et la remorque est gratuite. Hop! Actaeon. Bon, par contre, j'en ai déjà un, je crois. Hein. J'en ai déjà un, il me semble. Ouais, il est là. Donc, au revoir. De toute façon, tout est gratuit, on s'en fout. Hop. Ouh, j'ai cru qu'il m'avait mis dans la remorque au lieu dans le véhicule, j'ai pas compris. Alors, on va tout droit. On tombe sur trois tâches. Alors, on a une amélioration qui sera au sud, pas très loin du garage. On la récupérera et on ramènera la remorque au garage avec le véhicule. Oh là là, la texture de la montagne qui apparaît pas, les gars. Oh là là, c'est dégueulasse. Merci. Oh là là. Sur next-gen, quand même, les gars, là. On est quand même sur next-gen. Pourquoi les textures, elles apparaissent plus? On a la version Switch ou quoi? C'est un peu abusé, non? Le jeu est peut-être plus joli sur Xbox One, quoi. Alors, je sais pas ce qu'ils en ont fait, maintenant, mais... Alors, tout droit, on arrive à la petite cabane avec les trois tâches, là. Peut-être que je les ai toutes. Il y a peut-être un vendeur de remorques avec, en plus. C'est quoi le véhicule là-dedans? C'est comme des frères. Ah, comme des frères, je l'ai peut-être pas, donc elle est peut-être ici. Attends, vous êtes au courant que là, ça doit pas galérer? Il n'y a rien. Je m'enfonce même pas, les gars. Je m'enfonce même pas, c'est que c'est pas possible de ralentir. Là, il y a des chances que oui, mais non. D'accord. Ok. Alors, il y a un point de livraison. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Livraison de marchandises, ok. Ah, ouais. Ils sont un peu posés en vrac juste pour le fun, on dirait. Hein. Spéléologue rural. Si j'ai bien lu. Un vendeur de remorques si je veux me débarrasser de ma remorque, on va la garder jusqu'au bout. Je l'ai dans le temps. Ok. On va passer. Je me demande si c'est pas. Ah non, le détecteur de métal il se récupère peut-être avec une petite tâche, je crois. On va passer voir. On va peut-être longer après toute la glace. Enfin, on va se faire une belle petite balade, mais un petit peu plus longue. Hein. Ouais, 2h03 de vidéo. Enfin, il y en aura pour 2h30, tant pis les gars. Je suis désolé, mais ça va être compliqué de faire moins. Hein. C'est une sacrée carte. Hein. Et encore, j'en chie pas tant que ça, je trouve. Hein. Ça pourrait être largement pire. On va essayer d'aller voir du côté du phare, d'aller voir du côté du bateau aussi. Je sais même plus ce que c'est comme bateau, un croiseur, un... viens voir où est-ce que je pars, moi. Ah, je pars pas au bon endroit. Fallait que je parte au-dessus. Fallait que je parte au-dessus, je crois que c'est un Zix là-haut. Ouais. La remorque, elle va encore adorer la marche arrière. Ah bah oui, bah oui, bah oui, non mais oui, bah oui. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est au millimètre près la remorque. Hein. Si je contre-braque pas, c'est foutu, elle part en diagonale comme ça, voilà. Et je me fous par terre, donc j'ai pas la place de manœuvrer. Ah, c'est le problème de cette remorque, surtout ici, quoi. Vu que ça adhère pas et tout. Ouais, c'est une galère. Enfin, il n'y avait pas le choix, c'était obligé de me prendre l'arbre. Sinon, c'est l'arbre qui tournait pas. Ouais.
Je sais plus comment je l'avais classée cette phase. Bon, on va la refaire avant de la noter, mais je la sens pas bien. Je la sens pas bien. Je la sens pas très fun. Les aurores boréales, je m'attendais à quelque chose de plus sympa que ça. C'est finalement pas si... Bon, après, c'est vrai qu'il faut les prendre en mouvement, mais... Allez, pépère. On arrive au petit bout de lac gelé. Ah, il est si haut que ça, le petit bout de lac gelé. La vache. Oh là, ça roule pas. Je sais même pas si c'est par là. Hein. Je m'enfonce même pas dans la neige, mais ça roule pas. Avec la WD, par contre, je sais pas pourquoi, elle veut la WD, la voiture. La Land Plus, ça avance pas. Elle patine, mais la WD, ça passe tout seul. Comme s'il avait une WD vraiment performante. Alors, il est où ce petit X? Il est là-bas. C'est ici. La mission est là. Je pense pas que je l'ai. Hein. Je pense pas que je l'ai. C'est là. Pourquoi tu... C'est la remorque qui me retient là. C'est dingue. Je patine un peu aussi, on dirait. Je l'ai pas. Je l'ai pas, donc j'ai bien fait de venir la chercher. Ok. Ah, je n'avance même plus. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est bien bien gelé ici, hein. Waouh, la vache. Donc on va sortir par le dessus. Et puis on va essayer de... Ouf. Oh, je suis pas sûr qu'on va aller tout au-dessus. Tu pourrais juste le sortir de ce merdier, que je puisse regarder après où je vais. Je voudrais juste avoir à me concentrer sur autre chose. Ah ouais, c'est vachement gelé ici, hein. C'est curieux, c'est que j'ai fait plein d'autres lacs, des petits étangs, des trucs, que ça passait tout seul. Mais non, mais pourquoi? Voilà. Pourquoi tu vas pas chercher un peu loin et un peu en ligne droite? Voilà, merci. Alors. On fait un petit point. La route là, elle va tout au-dessus, chercher livraison de marchandises que j'ai déjà. Je vois pas l'intérêt. Pourquoi ancienne intersection? C'est en gris. Je l'ai prise, hein. Ouais, elle est là. Combien j'en ai? Normalement, je les ai tous, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai les 20. Et la carte est pas très, très remplie. Oh, c'est impressionnant. On voit tous les chemins où je suis passé. C'est trop bien, ça, par contre. On voit vraiment où est-ce que je suis allé. Je suis allé là. Hop. 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 Ça, c'est vraiment marrant, c'est de voir vraiment où je suis allé, mais la carte s'est quand même déverrouillée un petit peu. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement monter, mais alors je redescendrai plus ce niveau-là pour faire le lac gelé. Ouais, on va faire ça. C'est où le lac gelé? La route, pardon. Là-haut. On va essayer de se frayer un chemin. Ouais, bah yonk, les trois réservoirs de l'armoque vont pas être inutiles, hein. J'en aurai aussi sur mon véhicule, mais... Allez, roule, petit bolide. Eh ben, ça aurait été une sacrée mission, alors qu'on n'a pas fait grand-chose, mais... Ouais, on devrait pouvoir redescendre.
On va pas aller faire la livraison de marchandises parce que c'est d'un côté où on peut pas revenir. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Attention, le point bleu, on s'approche pas. Par contre, bah ça ressemblait pas à ça sur la brochure, hein, les gars. Faut que j'aille là-dedans. Ouais, non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, je vais pas pouvoir passer, moi. Hein. Elle a une flèche vraiment courte, hein, du coup, les manœuvres sont très très chiantes. Ah, on a le phare jusque là en bas. Je sais plus ce qu'on livre de ce côté-là. Hein. Si c'est un bateau ou quoi, là, ça m'étonne. Tu veux pas accélérer? T'es en descente là. Vitesse lente et descente, ça devrait quand même y aller, quoi. Pas si compliqué que ça d'avancer là-dedans. Allez. Alors, par où est-ce que je vais passer, moi? Ça va être compliqué, hein. Je vais être obligé de couper un peu en vrac. Je vais être obligé de couper en vrac, faut que j'aille là-bas. Hein. Ouais, bon, on va essayer de passer par les rochers. Là d'où je viens, un peu de choses près. Il y aurait presque un tremplin là avec leur truc. C'est pas à la vitesse qu'on va dans le jeu que ça va être, être très intéressant. Ouais, alors si tu veux. Ouais. Ok. Ouais, là il n'y a plus tellement d'arbres. Mais il y a des rochers. Plus bas peut-être. Non non, si je tire fort ça avance plus. On est obligé d'être à cette vitesse. Non. Ça n'avance pas, donc on va rester comme ça tranquillement. Ah, on voit le bateau d'ici là. Bon, il fait un peu cubique, hein. Je me rappelais pas que c'était aussi limité le design. Ouais bah ouais, non mais ouais. Et la remorque, elle va avoir du mal à passer aussi. Hein. Ouais, c'est con. Hein. Ça va, ça passe. On va essayer de pas se planter. Donc ça c'est fait, donc faut que je descende chercher la dernière amélioration et puis on aura tout. On aura tout fait. Hein. Enfin. Une, deux améliorations. Trois, quatre, cinq. Techniquement cinq, j'en ai quatre, ok. On sera bon. On va pas s'approcher beaucoup plus à mon avis du bateau, à moins que j'aille par la gauche. Ouais. Ouais, je peux aller par la gauche. Ça va pas faire un gros détour. Il va falloir faire le plein. Je crains, je vois plein de boss, plein de trucs. Elle est où la route là? Là? Ah elle là. Ah elle là avec un rocher de l'enfer. Ah, la remorque qui va pas passer. Si ça passe. Wouah, sans déconner. C'est pourquoi les vélos votre route là? Ah, le dernier plein est parti, plus que 20 litres après ça.
Putain, mais j'ai appuyé trois fois pour virer le treuil, ça veut pas. Hein. Ah, elle est là, la route. Super, ça passe pas. Ah bah viens en camion ici. Hein. Ah bah tu passes pas. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt à venir en camion ici? Je doute. Mais tu passes pas quand même. Pourquoi la remorque elle a décidé de... Non non, la remorque. C'est impressionnant, c'est qu'on dirait qu'il y a vraiment un gros bug. Qu'est-ce qui se passe avec cette remorque de mes noix là? Je l'ai tirée au treuil sur le côté, mais elle a pas voulu y aller, donc moi je veux bien être gentil à un moment, mais et ouf. Voilà, waouh! Oh la vache, la violence! Ça a failli emmener le véhicule avec! Vous êtes fous, les gars. Vous êtes totalement fous. Ah bah, on est devant le bateau. Bah voilà. Ouais, bon, en même temps, il est pas beau. Bon, je trouve qu'il est pas beau, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Je crois qu'il y en a un autre. Non? Il n'y a pas un autre qui est échoué différemment? Je me rappelais d'un truc nettement plus joli à voir que ça. Hein. Oh, j'aime pas ça. Si la remorque se fout en travers. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Alors je crois que les pneus du Bourlac sont faits pour la glace aussi. Hein. Franchement, je trouve que ça ressemble à rien. Hein. C'est pas plus joli que ça à voir. Hein. Je sais pas si je fais un peu les grilles ou je sais pas quoi, mais... ça casse pas des briques hein, en fait. Je sais pas, il y avait peut-être plus de hype que ça à l'époque, mais là il y a le phare, je trouve qu'il est nettement plus joli. Ah, on commence à voir les aurores boréales. Y voir. Ouais. Oui. Ok. Hop hop. C'est ça, refond moins du grain de pellicule, j'adore ça. Là, j'avoue, l'aurore boréale, le phare, là, c'est pas mal. Le bateau, bon, bah, on le voit plus. Hein. Ouais, ça a aucun sens. Ah, là, c'est sûr, ça donne un truc sympa, mais... ouais, limite, je trouve, de jour, c'est quand même plus joli. Hein. Gagne-moi ça comme c'est beau, ça. Ça, c'est chouette. Je vais avoir fait au moins 30 photos, là. C'est du délire. C'est abusé, je suis désolé. Mais je profite un peu du paysage, parce que franchement, j'en chie tellement. Bah, ça va, ça pourrait être pire, mais... j'en chie tellement que autant profiter un petit peu... du paysage. Allez, hop. Et on arrête là. On va chercher la médio, on traverse le lac... on revend tout ça et basta. Alors, où est cette amélioration? Par rapport à ça, elle est à peu près par là. Je vais peut-être aller faire la petite route. Allez, on va aller faire la petite route. Elle est où la petite route? Elle est à ma gauche. On va monter là. On va aller voir les petites maisons là. On va être bah, plus près du phare. Je croyais que le phare il était inaccessible. Je confonds. Il me semblait qu'il y avait une espèce de... si, il doit être enfermé de... non, il n'est pas enfermé. Je confonds avec Imandra. Où il y a un phare qui est enfermé entre des rochers, il faut traverser tout ça. Non, je sais plus. Parce que là, celui-là, il est là tout de suite, il est très joli, il est là. Ah oui, il est très joli, oui. Je confirme. Oh, j'en ai marre, je perds tellement de temps à vous faire chier avec ça. Si les réglages étaient tout prêts, en 2 secondes, bing, bing, une photo, 2 photos, merci, au revoir.
Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est fini pour les photos, je vous emmerde plus. J'ai tout ce qu'il me faut. On prend la médio, on traverse et c'est fini. Alors surtout, on s'approche pas des points bleus. Ah ouais, je sais que c'est des points de passage, y'a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est sur Imandra? Et voir, de toute façon, je peux afficher la carte interactive sur ma preneur. Merde, j'avais pas vu où est-ce que t'étais allé, toi, évidemment. Ah oui, c'est Imandra. D'accord. C'est Imandra où il y a le phare entouré de pierres et faut essayer de faire un espèce de labyrinthe. D'accord, ils ont mis un phare sur chaque carte, ok. Pourquoi pas. Alors, normalement, la médio doit être par là. Je vois pas de zone jaune. Ah si, elle est en face de moi, là. Sur l'espèce de petit îlot. Eh ben, impeccable. C'est ce qui va conclure notre petite vidéo. Je vais regarder par où je peux ramener la morgue. Par là, je pense. Oh, ah merde, non, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Ouais, ça passe plus. Allez, change-moi de vitesse, merci. Et qu'est-ce que c'est? AWD activable pour le Ford F750. Ok. Et ben voilà. On va peut-être mettre la journée pour le petit retour. Alors, il faut que j'arrive à passer par la glace pétée pour revenir ensuite au garage et au truc. Je crois qu'il faut que j'aille plus loin. Hein. Je dois pas avoir le choix ici, c'est pas possible, c'est de l'eau. Ça risque de faire boum. Non, ça va. Je comprends pas qu'il arrive pas à accélérer. Je patine peut-être. Hein. Par là. Bah on aura fait une sacrée promenade. Hein. Ça va, ça passe. Combien de temps? 2h23, c'est ça. Ça fera une vidéo de 2h30. Eh ben. Et pourtant, je me suis pas si mal démerdé que ça, hein, je pense. Au tatarin, c'est sûr que j'aurais mis 3 quarts d'heure, 1 heure de moins. Mais bon, ça aurait tout de suite moins rigolo. Je pense que je le garderai surtout pour Imandra. Pour tout ce qui est Amuroblast et Aegis, tout ça. Là, on prendra peut-être le Bourlac sur la deuxième carte. On verra, ça peut être sympa. Tester les deux véhicules comme ça sur les découvertes. Donc, on va essayer de rejoindre la route qui est là-bas. Oula, faut passer entre les trucs, s'il te plaît. Voilà. Et faut aller vers le poteau. Il y a la route là-bas. C'était long, mais ça va. J'ai pas trop galéré. Bon, après, c'est ça la galère, hein, que ce soit long, gros. Je me suis quand même retourné deux fois. Pas mérité du tout. Pas mérité du tout, je pense. La remorque m'a pas aidé non plus.
Bon, la première fois, je l'avais pas. La deuxième fois, je pense que c'est un peu elle qui m'a beaucoup retourné. Elle a fait un peu n'importe quoi, je sais pas, au niveau du treuil, elle aime pas tellement. Elle aime pas tellement être utilisée que le treuil, la remorque, on dirait. Elle a des réactions cheloues. Hop. Et on va le ramener au garage. Allez, on va faire l'effort, c'est pas loin, c'est pas compliqué. Wow. Ok. Mais c'est risqué quand même, visiblement. Wow. Oh, la traversée du combattant quand même, hein, je trouve. Bah j'ai pas hâte de tester les missions. J'ai pas hâte du tout. Va falloir que je choisisse dans quel ordre les faire aussi. Avec quel véhicule. Mais je vais déjà les identifier, savoir quel type de mission c'est. Ouf. Eh ben. Sacrée galère. Eh ben écoutez, combien j'ai fait de photos? Ah, bah le menu Xbox veut pas s'afficher, il met 25 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Menu Xbox. Bah il y a tout qui galère en ce moment. Hein. Merci. 29 photos, ah quand même. Ok. J'aurais dû en faire une petite dernière. Allez, sur ce, on se quitte ici. Merci d'avoir aidé la vidéo. Ciao.